Écoutez bien, quiconque est contre le mariage homosexuel est homophobe. Vous voilà tous avec qui vous êtes aujourd'hui pour l'État républicain, socialiste, les délinquants de demain. Considérant devenu président, il sera ajouté parmi la liste de ce que la loi républicaine considère comme un motif de discrimination condamnable, la simple remise en cause ou la critique de la théorie de l'identité des genres professionnels, qui augure une nouvelle vague de discrimination positive à l'envers. Ah, la discrimination, c'est comme la Grèce. Il y a la bonne et la mauvaise. Licencier un employé masculin qui a pris la curieuse habitude de se présenter au boulot habillé en femme, c'est très mal. C'est la mauvaise discrimination. Mais engager prioritairement et successivement 10 homosexuels pour prouver son adhésion au mode de pensée défini, c'est très bien, c'est la discrimination positive. Le 7 janvier 2013, plusieurs patrons ont signé une charte d'engagement LGBT en présence de Mme Belkacem, porte-parole du gouvernement. Cette convention institue la chasse aux malpensants dans les entreprises. Elles ont notamment signé par les dirigeants d'IBM, d'Orange, d'Alcatel, de Veolia, etc. François Hollande, devenu président, un projet prévoit que la France facilite l'accès au statut de demandeur d'asile à n'importe quelle personne prétendant être persécutée dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Voilà la nouvelle piste dont vont s'emparer avec joie les filières de l'immigration. Nous sommes tous des enfants vétérans, on est deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants vétérans. On est deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants vétérans, on est deuxième, troisième génération.